Pinch and your mom, jump, or see, or pee.
La carrière était pleine.
Parce que je revois encore vos frères qu'on était assemblés ce matin, qui m'ont suivi jusqu'à ce qu'ils sont parmi vous. Je voulais toujours merci à Dieu. Beaucoup vont se poser des questions. Qu'est-ce que l'on chante comme ça depuis le matin? Aujourd'hui, le monde entier est en train de se réjouir pour cette manifestation que Dieu a pu faire parmi les hommes. En passant par la résurrection, Jésus passe par la résurrection pour aller vers son Père. Mais avant la résurrection, il a d'abord connu la souffrance. La souffrance qui était celle du monde. Jésus nous montre le terrain mondial, comment les hommes se comportent vers les autres et comment les hommes se comportent envers Dieu lui-même. Doit se retirer pour aller prier son Père. Nous devons encore penser que ce qui l'amène à se retirer parmi les autres pour aller prier, c'était l'attitude des hommes. Parce que bientôt, il devrait être ligoté, condamné pour rien et mettre mort. Il devait se retirer pour d'abord aller demander gloire à son Père et la force à lui pour mieux maintenir ce qui devait arriver. Jésus rencontre en ce moment le devant au rendez-vous. Il doit s'amener vers lui en lui disant, « Je sais que depuis 40 jours tu n'as pas mangé et je t'ai vu faire des miracles. J'ai vu comment tu as multiplié le pain. Je suis convaincu que tu peux encore le faire. Alors, multiplie alors ce caillou en pain et mange-le. » Jésus répondra, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de la bonne parole de Dieu. Et cette bonne parole manque dans la vie actuelle. Beaucoup de personnes sont ceux qui manquent cette parole. Je puis vous dire, vous savez préparer tant de sauces, vous savez préparer tant de nourriture, vous connaissez bien la cuisine. Et il y a d'autres qui ont reçu même des formations pour la cuisine. Mais la meilleure parole de vie, l'homme n'a pas encore réussi à le mieux préparer pour donner à son prochain, qui est la bonne parole. La meilleure parole de vie manque dans les familles, ça manque dans les foyers, ça manque entre les amis, ça manque dans les sociaux, ainsi que parmi nous. À chaque moment, ça nous manque beaucoup. Il n'y a pas de chose de plus rare que cette bonne parole dont Jésus en parle. Aujourd'hui, les bonnes paroles en manquent et c'est ça qui amène des disputes et des problèmes parmi nous. Aucune personne d'entre vous ne me dira pas que sa famille est le plus meilleur tellement qu'il n'y a pas de gens qui ont la diarrhée volcanique de leur bouche. Alors, c'est ça que Jésus regarde les hommes et comprend qu'ils ont leur esprit plus dans ce qu'ils vont manger dans leur corps que la parole qui peut embellir l'esprit en même temps la chair. Il doit encore se revêter dessus pour demander aux hommes, au peuple de Dieu, de se méfier de tout ce qu'il peut sortir aux lèvres de l'homme, de beaucoup se méfier. Alors, je vous dirai encore cela. Aujourd'hui, est-ce que l'homme a changé? Est-ce que l'homme a changé? Est-ce que parmi vous, vous avez ces bonnes paroles? Est-ce que vous avez encore cette entente? Est-ce qu'à nos jours,
Ce même parole de vie existe, mais je vous le dis, chez nous, surtout au Cameroun, il y a plus de combat que les bonnes paroles. Celui qui veut faire mieux est celui qui est trop persécuté par les paroles et par la méchanceté des autres. Or que Jésus tire notre attention pour le pain de vie qui est la bonne parole. Croyant que, comme si ce n'était pas fini au démon à cette époque-ci, il doit continuer sa prière. Mais le diable doit encore s'amener vers lui pour une autre tentation, en lui portant au plus haut de montagne et lui dit, « Salut maître, je sais que tu es le roi des rois. Je sais que tu l'as dit toi-même, que s'il s'agit de la guerre, un ange de ton père peut combattre un pays satanique. » Et c'est vrai. Lance-toi à terre sans te casser les pieds pour que les anges de ton père s'arrêtent. Jésus doit encore le poster en lui disant, « Tu ne mettras jamais pas le Seigneur ton Dieu en épreuve. Chaque jour de votre vie ne passe jamais sans que vous ne mettez le Seigneur Dieu en épreuve. Surtout quand vous optez certaines choses en disant, « Je le fais parce que je sais que Dieu doit me sauver. » Combien parmi vous peuvent comprendre la volonté de Dieu dans leur vie? Elles sont peu nombreuses. Tout au contraire, celui qui peut accepter la volonté de Dieu reçoit tous les jours des moqueries. N'est-ce pas, tu dis que tu pries, toi tu en souffres aussi autant que moi qui ne prie pas. N'est-ce pas, tu dis que tu crois, pourquoi alors tu souffres? L'homme a ignoré la volonté de Dieu dans sa vie et touche de tout et de rien. Nous devons continuer dans le même volet. Comme ce n'était pas suffisant, le démon doit encore prendre Jésus pour le mettre encore au plus haut de montagne et lui dire, regarde tout cela, ça m'appartient. Mets-toi à genoux et je te donnerai tout ceci. Par exemple, comme un homme peut venir rester près de ta voiture et dire, mets-toi à genoux, je te donne ta voiture. Et alors, il doit comprendre que ce n'est plus bien. Il le repoussera en disant, éloigne-toi de moi, Satan. Va-t'en de moi. Il est écrit, l'homme se protégera rien que devant son Seigneur Dieu, et non pas devant les hommes. C'est ainsi qu'en ce moment, le démon doit faire semblant de quitter, descendant alors pour aller l'attendre à Jérusalem. Jésus doit finir tous ses jours de jeûne. Et pour aller préparer la Pâque, plus que chez les Juifs, la Pâque se préparait chaque année. Ça se préparait chaque année. Il doit aller avec ses disciples pour chercher comment préparer la Pâque. Le démon doit toujours l'avancer en allant s'introduire dans le cœur des marchands et des grands prêtres. Jésus ordonnera à Pierre d'aller chercher une âne très propre. Il va se mettre dessus pour faire son entrée triomphale. En ce moment, tout le peuple de Jérusalem doit se mettre en route pour crier Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es le roi de rois, toi qui es le sauveur de sauveurs, en enlevant leurs vêtements pour balayer la route pour que Jésus passe, en étendant leurs vêtements, en prenant tout, en prenant les pailles pour crier au plus haut des cieux. Mais hélas, après, six jours après, les mêmes personnes qui ont crié, tu es le roi de rois,